On est ici, comme on l'a dit tout à l'heure, du côté de Rosil, et plus particulièrement Beaubassin, avec Plaza. Plaza, hein, Plaza, ouais. Ça s'appelle ici. J'ai avec moi Richard Verlope. Comment ça va, Richard? Ça va, Jean-Claude? Ça va, on se connaît depuis un petit bout de temps. Hein. Ben oui, ça fait plaisir de se revoir encore une fois. On est de passage ici à l'île Maurice et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on passe un petit coup te voir ici. Hein. Et, Richard Verlope, toi, tu es musicien, tu es chanteur. Et tu habites ici à Rosil. À Rosil, ça fait environ une trentaine d'années que je suis ici, à Rosil, à l'île Maurice. Ah, tu connais bien l'île Maurice, hein. Tu viens de sortir ton album là Oui, c'est mon deuxième album. L'ambiance mauricien. Voilà. Hein, avec la chemise à fleurs dessus. À fleurs toujours. Ça veut dire que y a beaucoup d'ambiance. C'est la vie tropicale. Ouais, voilà. On danse beaucoup dedans. On danse beaucoup. Hein, du Sega. Ouais, du Sega. Ouais. Mais il y a aussi pas seulement le CD, il y a aussi le clip sur YouTube. Sur YouTube. De toute façon, on va le retrouver et puis on va le diffuser chez nous à la télé. Cinq morceaux dans cet album-là. Hein. Ouais. Et avec une équipe de musiciens. Musiciens dans le studio, le studio de Kevin Joseph. Oui. Ouais. Je ne le connais pas trop, mais, il est où ça, le studio de Le studio, c'est à Quatre-Bornes. D'accord. Ouais. Et toi, ici, là, tu es musicien, tu es chanteur et tu joues un petit peu partout, et notamment dans des hôtels. Ça, c'est ta particularité. On vient de se rencontrer dans l'hôtel. Voilà, on s'est rencontré au Chandrani. Au Chandrani, Chridani. Hein, Chandrani. Où tu joues là-bas. Il n'y a pas que Chandrani. Il y a aussi d'autres hôtels, le Twist Rock, qui est en rénovation cette année-ci. Et là, on va reprendre en octobre. D'accord. On va reprendre l'activité. Il y a aussi dans le Nord, l'hôtel Oberoi. C'est un hôtel indien. D'accord. C'est pour les Indiens qui a planté l'hôtel ici et qui gère l'hôtel. C'est à 5 étoiles plus. Toi, tu es musicien, tu es artiste. Ici à Maurice, c'est facile pour un artiste de vivre de sa musique, essentiellement de sa musique. Hein. Essentiellement, s'il joue dans des hôtels, mais pas comme ça là. Maintenant, le CD, ça ne se vend plus maintenant. Les gens écoutent partout sur YouTube ou tu dois acheter. Comment ça s'appelle là le Spotify là téléchargement payant. Mais ça, c'est assez dur. Mais au moins comme ça vous avez beaucoup d'hôtels ici et les hôtels jouent le jeu, c'est-à-dire que tous les soirs il y a des artistes de l'île Maurice qui passent dans les hôtels. C'est ça qui nous sauve un petit peu. Et dans tes chansons tu parles quoi? Bisous doux, donne-moi de l'âme, partage l'amitié. C'est toujours l'amour, grâce à l'amour. Toujours l'amour. L'ambiance mauricienne, c'est l'ambiance, c'est séparément avec le titre, c'est Bisou doux, et tu vas l'entendre après. C'est un petit bisou, un petit bisou doux, et l'autre partage l'amitié, c'est entre Mauricien et Réunionnais. D'accord. On va chanter ça ensemble, mais là pour le moment c'est en solo. D'accord. Mais là-bas je vais le refaire encore avec un Réunionnais qui va être sur ce... D'accord, ok. En parlant de la Réunion, il faudrait que tu fasses un petit coucou à Nella La Bruyère. La Bruyère, c'est elle qui m'a poussé un petit peu pour te rencontrer. Il me dit quand tu viens à La Réunion, n'oublie pas de passer chez Jean-Claude au Canal Austral. Il dit oui, bien sûr. D'accord. Et il nous reste 2 minutes là, juste pour parler un petit peu de l'île Maurice que tu connais bien. D'ailleurs, on te remercie, tu nous as fait passer quelques dates, quelques écrits sur l'histoire de l'île Maurice. Et Julie qui est derrière la caméra, tout au long de l'émission, va nous parler un petit peu de ces dates-là, ces grandes dates de l'île Maurice. Mais auparavant, c'était pour les Hollandais qui étaient ici. Après, c'est le français. Et ensuite de ça, les Anglais. Ensuite, on a connu l'indépendance en 1968. On va parler toute l'histoire ici. Mais dis-nous, dans cette zone-là, ici, là, du côté de Rosil, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Qu'est-ce qui est bien à visiter ici? À Rosil, il y a, comme tu vois là, ici, le plaza. C'est la municipalité, là où on fait les fêtes. C'est ici où on fait les fêtes. Dans le hall à côté, là, une salle, une grande salle. Ouais, ouais. Et il y a aussi le théâtre.
Oui. Mais le théâtre, c'est pas maintenant, on n'utilise pas le théâtre maintenant, c'est en rénovation. D'accord. Mais la salle de fête, c'est toujours là. Ah, d'accord. Et même dans la ville, il y a les des... mariages, tout ça, on fait ici même. Ouais. Il y a des endroits à visiter, des monuments. Il y a des églises, on a vu. Il y a des églises comme le Montmartre. Ouais. Et comment ça s'appelle? Notre-Dame de Lourdes. D'accord. Notre-Dame de Lourdes est plus haut, tu vois, à Saint-Jean. C'est dans la région. Il y a beaucoup plus d'églises ici à Rosil que de temples hindous, ou bien c'est pareil? Si. Il y a aussi pareil, il y a des temples hindous, beaucoup. Ah, beaucoup. Beaucoup de temples hindous. Si tu vas là dans le chemin là, tu vas voir, il y a 3 ou 5. D'accord. 5 qui t'attendent. Et bien, c'est comme ça, Maurice. Ouais. Saint-Maurice, c'est un parfait mélange de toutes les religions et de toutes les cultures. Ouais. Hein, voilà, il y a aussi les mosquées. Hein, il y a aussi les mosquées, bien sûr. Il y a aussi les mosquées. Voilà. Tu as des projets de musique encore comme ça? Comme je te l'ai dit, on est en train de préparer un projet pour la fin de l'année. Je ne sais pas. Mais on attend. Un concert ici ou à la Réunion? Non, c'est à la Réunion. À la Réunion. On essaye. Voilà. Mais on ne sait pas encore si ça va être concrétisé, mais on est en train de préparer. D'accord, voilà. Mais de toute façon, on t'attend à la Réunion prochainement. Bien sûr, et ça fait plaisir, Julie et Jean-Claude, d'être ici à l'île Maurice. Ça fait un grand plaisir de vous accueillir ici. Merci beaucoup. Tu as un petit coucou à faire pour quelqu'un? Ah oui, un petit coucou à tous les Réunionnais, tous les amis qui me reconnaissent sur Canal Austral. Je lui ai dit un gros coucou. Et vive Canal Austral. D'accord, merci beaucoup. De rien, Jean-Claude. Merci Richard Verlop. Richard. Et puis on peut dire que ton album ici, on peut le trouver ici à l'île Maurice. À l'île Maurice. On peut le trouver ici un peu à la Réunion. Avec moi, oui. Non, pas à la Réunion, je vais l'apporter avec moi. D'accord. Mais il n'y a qu'un seul. Oui. Mais tu peux visionner sur YouTube. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Julie Deye à la caméra aujourd'hui. Et bien nous, on continue la route, on continue notre périple ici même à l'île Maurice. Merci beaucoup. Très bien. Allez, merci. Bye bye. Ciao. Et dans
pegamos.